arriver sur le ring d'ici un instant, présenté par José Gomez du Hara de la Barolière. Et le voilà. Voici le magnifique Dink, un fils d'un étalon qu'on ne vous présente plus, c'est polyglotte, formidable chef de race au Hara des Truands qui a été aussi performant plat qu'en obstacle, polyglotte. Les dernières générations de polyglotte sont en piste, mais voici Dink. Dink de la souche maternelle de Comtesse de Loire de Miesque, une belle souche Niarchos avec ce magnifique cheval de 1m67 qui a gagné le Premio Cimera, c'est-à-dire la poule d'essai espagnole. La mère est par Woodman, la grand-mère par Liffard's Wish. On retrouve Mr. Prospector, Northern Dancer, du grand classique dans le pédigré. Et Dink aura de la barrelière, 10 victoires en 29 sorties et qui a donné des gagnants en plat et en obstacle. Vous venez de voir Nube Negra, son meilleur élément qui a été élevé en Espagne puis exporté en Angleterre où il est désormais l'un des meilleurs steeple chasers de sa génération puisqu'il s'est classé deuxième du Henry Haight Novice Chase derrière un autre élevé en France, Esprit du Large. Ce Nube Negra est gagnant et en steeple. Placé de groupe 1 en placé deuxième de groupe 1 en steeple, il ne devrait pas tarder à offrir un premier groupe à son père qui donne également des gagnants en plat en Espagne. Dink est toujours au Hara de la Barrelière chez José Gomez et Sibyl Pecrillo. Il fait 1m67, ce magnifique fils du chef de race polyglotte, et il fera la monte à 1 500 euros en 2020.